Défi zéro. Déchets. La quête d'une vie écologique en famille. Découvrez comment transformer votre quotidien en une aventure écologique pour toute la famille. Une aventure racontée par Ludibooks. Mais avant de commencer, nous vous offrons gratuitement un guide de routine du soir rempli d'histoires inspirantes, disponible directement en description. L'urgence écologique est palpable. Chaque jour, nous sommes témoins des effets du changement climatique, de la pollution et de la dégradation de notre environnement. Mais parfois, face à l'ampleur de ces problèmes, il est facile de se sentir impuissant. C'est là qu'intervient le pouvoir de la famille unie. Quand on y pense, la famille est souvent le premier endroit où nous apprenons des valeurs, des habitudes et des comportements. Imaginez si chaque foyer prenait une semaine pour s'immerger dans un mode de vie écologique. Le cumul de ces efforts pourrait engendrer un changement significatif. Non seulement pour notre planète, mais aussi pour la manière dont les générations futures perçoivent et interagissent avec le monde qui les entoure. Ce guide est conçu pour vous accompagner, vous et votre famille, dans une aventure d'une semaine. Une semaine où vous découvrirez comment des petits gestes au quotidien peuvent avoir un grand impact. Vous n'êtes pas seul dans cette démarche. De nombreuses familles à travers le monde s'efforcent également de faire une différence. Alors, prêt à relever le défi ? Embarquons ensemble pour cette semaine de vie écologique en famille. L'impact de nos choix quotidiens est souvent sous-estimé. Un emballage jeté ici, une bouteille en plastique là. Ces petits gestes semblent insignifiants, mais leur accumulation génère une montagne de déchets. Chaque année, les décharges se remplissent, les océans se polluent et notre planète étouffe un peu plus. Les statistiques sont alarmantes. On pourrait penser que la majorité de nos déchets proviennent de grandes industries, mais la vérité est que nos foyers contribuent de manière significative. Les produits à usage unique, les emballages excessifs et les objets non recyclables forment une part importante de ceux que nous jetons chaque jour. Imaginons la différence si chaque famille réduisait ne serait-ce qu'une petite portion de ses déchets. Pour commencer, ce voyage écologique, il est essentiel de connaître notre point de départ. Comment évaluer notre empreinte ? Plusieurs outils en ligne peuvent nous aider à estimer l'impact de notre mode de vie sur la Terre. Réduire avant de recycler. Avant d'envisager le recyclage, cherchons d'abord à réduire. Optons pour des produits avec moins d'emballage et privilégions l'achat en vrac. La règle des 3 R, réduire, réutiliser, recycler. Ces 3 mots clés devraient guider nos choix quotidiens. Faire ces produits ménagers. Non seulement cela réduit les déchets, mais c'est également économique. S'équiper de contenants réutilisables. Gourdes, sacs en tissu, boîtes à lunch. Ces objets limitent le besoin d'articles jetables. Avec un peu d'effort et de planification, il est tout à fait possible d'amorcer un changement vers une vie plus respectueuse de l'environnement. Manger, un acte si naturel, peut aussi devenir un acte éco-responsable. En effet, ce que nous mettons dans nos assiettes influe sur la santé de notre planète. Du champ à la table, chaque étape de la chaîne alimentaire présente des opportunités pour diminuer notre impact environnemental. La distance parcourue par nos aliments est souvent plus grande qu'on ne l'imagine. Opter pour des produits locaux et de saison réduit le besoin de transport et garantit fraîcheur et qualité. Les produits importés nécessitent souvent des moyens de conservation énergivores et peuvent avoir une empreinte carbone élevée. S'approvisionner directement auprès des producteurs a plusieurs avantages. Non seulement cela soutient l'économie locale, mais cela nous rapproche aussi de la source de nos aliments. Les marchés fermiers, les AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, ou les cueillettes en libre service, sont d'excellents moyens de bénéficier d'aliments frais et de qualité. La production de viande est l'une des principales causes des émissions de gaz à effet de serre. Explorer des alternatives végétariennes ou végétaliennes peut non seulement diversifier notre alimentation, mais aussi réduire notre impact. Ce n'est pas nécessairement une question d'éliminer totalement la viande, mais plutôt de la consommer de manière plus consciente et modérée. Chaque année, des tonnes d'aliments finissent à la poubelle. Apprendre à cuisiner en utilisant les restes,
à conserver les aliments de manière optimale et à comprendre les dates de péremption peut grandement réduire ce gaspillage. En fin de compte, chaque grain de riz ou tranche de pain compte. Grâce à des choix éclairés, notre façon de manger peut devenir un pilier de notre démarche éco-responsable. C'est une belle manière d'allier plaisir gustatif et respect de la terre. La maison, notre refuge, est aussi le lieu où nombre de nos habitudes écologiques prennent racine. Le trésor des produits multifonctionnels. Des objets durables pour un intérieur éthique. Économie d'énergie, petits gestes, grands impacts. La magie de la récupération d'eau. Chasser le gaspillage avec le compost. En adoptant ces habitudes simples et durables au sein du foyer, nous faisons un pas de plus vers un mode de vie plus éco-responsable. Se déplacer est une nécessité de la vie moderne, mais cela ne signifie pas que nous devons le faire au détriment de notre environnement. Le pouvoir du covoiturage. Les bienfaits du vélo. Transports en commun, l'efficacité collective. La magie des véhicules électriques. La marche, un plaisir simple. Chaque fois que nous choisissons un mode de transport écologique, nous faisons un geste concret pour la planète. Au fil de ces chapitres, nous avons exploré des pistes concrètes pour adopter un mode de vie plus respectueux de notre environnement. Des gestes simples de la vie quotidienne aux choix de mobilité, chaque action compte et contribue à un futur plus durable. L'urgence écologique nous interpelle, mais elle offre également une opportunité, celle de repenser nos habitudes, de renouer avec la nature et de laisser un héritage positif pour les générations futures. Alors que le défi zéro déchet peut sembler immense, souvenons-nous que c'est la somme des petites actions qui engendre un grand changement. Il ne tient qu'à nous de faire preuve d'initiative, d'innovation et de persévérance pour bâtir un monde où la symbiose entre l'homme et la planète est réelle. Chacun d'entre nous détient le pouvoir d'agir. Embrassons cette responsabilité avec passion et détermination, et ensemble, façonnons un avenir plus vert et harmonieux pour tous. Défi zéro. Déchets. La quête d'une vie écologique en famille. Découvrez comment transformer votre quotidien en une aventure écologique pour toute la famille. Une aventure racontée par Ludibooks. Merci de nous avoir regardés. Pensez à prendre gratuitement votre guide de routine du soir, rempli d'histoires inspirantes, disponible directement en description. Envie de continuer l'aventure ? Rendez-vous sur ludibooks.com pour découvrir nos produits personnalisés pour les enfants.